Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi 30 mai. Et là, il est déjà 10h50. Ce qui fait qu'avec Swan, on va pas tarder pour aller récupérer ses sœurs à l'école. Faut également que je prévoie un déjeuner. Mais en fait, je me suis réveillée un petit peu plus tard et du coup, je me suis pas du tout organisée. Pour le déjeuner, je pensais faire une salade. Une salade avec des rillettes de thon. Franchement, c'est super bon. Je voulais mettre des frites aussi au air fryer pour les petits. Et je sais pas en fait avec quoi je vais accompagner tout ça. Donc une viande, un poisson ou quoi. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais essayer de m'activer aussi. Si je pouvais commencer à lancer la cuisson de ce qu'il faut avant d'aller récupérer les filles, ce serait pas mal. Comme ça, bah elles tardent pas trop à manger une fois qu'elles auront rentré. Franchement, Sohan, rien qui veut aller dehors. Il aime trop trop le soleil. Et là, je lui ai demandé de pas y aller sans moi. Et donc regardez où est-ce qu'il est. Il écoute, mais il n'est pas convaincu, vous voyez. Il sait qu'il ne doit pas y aller, mais en même temps, il se dit, je vais rester là. Ouais. Oh, mon amour! Et puis, on y retourne. Je préfère pas du tout qu'il y soit si moi, j'y suis pas. Et là, je vais aller faire à manger. Donc, on ira manger dehors tout à l'heure, mon chat. D'ailleurs, j'aime trop sa petite barboteuse comme ça en gaze de coton. Elle vient de Shein. Il y avait un lot de 3 et franchement, c'est trop beau. J'aime beaucoup ce genre de matière en fait l'été. Pour les enfants, je pense que c'est agréable aussi pour eux plutôt que de porter des trucs un peu plus lourds. Et donc, dans ce qui est des couleurs, on avait un blanc, ce marron et l'autre couleur, c'est un beige. Donc, vraiment des couleurs super jolies. Tu joues au ballon, mon amour? Bon, je vais passer au maquillage du jour. Je commence par appliquer une petite crème teintée, ensuite de l'anti-cerne que j'applique avec le pinceau. Je préfère largement le résultat au pinceau. Une fois que j'ai terminé cette partie du teint, je viens poudrer pour pas briller, un petit coup de bronzer ainsi que de blush, comme ça on vient rehausser un petit peu le teint. Là, je fais mon trait de liner. J'aime trop le faire comme ça en ce moment, je trouve que ça change. Un peu de mascara. J'aime trop le mascara. Et je fais le combo lèvres crayon plus petit nude. Et je vais terminer, je crois, par les sourcils. Là, j'étais au repas du midi. Donc, j'ai fait des pommes noisettes au air fryer. C'est trop bien d'utiliser ça sans matière grasse. Là, je vais couper des oignons et de l'ail parce que je vais faire revenir de la viande, en fait, tout simplement. Donc, ça va être le repas de ce midi. Pommes noisettes, viande et petite salade. De toute manière, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, on a super bien mangé. On avait profité aussi pour se poser sur la terrasse parce qu'il faisait vraiment très très beau. Et c'est des petits moments comme ça, tout simples, mais je vous jure qu'ils me rendent vraiment vraiment heureuse. Bon, là on va aller déjeuner. Du coup, ça c'est la viande. Ali est en train de terminer la cuisson de la viande et moi j'ai préparé ce qu'il fallait parce que après avoir mangé, je vais préparer un gâteau parce qu'après l'école, je vais ramener les enfants voir mon petit-neveu et ma cousine. Donc comme ça, voilà, je vais faire un petit gâteau pour le goûter. C'est un gâteau que j'avais envie de manger. Ma cousine m'a dit vraiment t'embête pas et tout, mais je lui ai dit que j'avais vraiment envie de ce gâteau-là ces derniers temps. Et donc je vais le faire super rapidement au Thermomix. Mais je vais le faire avec vous également, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on fait et vous donner la recette. C'est vraiment une recette hyper hyper simple et genre vraiment inratable. Donc voilà, et bah attendez, parce qu'on va manger du coup dans la terrasse. Hop. Je vais vous montrer, je vais juste prendre une fourchette pour la salade, ok. Ali, pas besoin de assiette, hein, j'ai déjà tout mis. Ouais. Donc on va déjeuner sur la terrasse. Franchement l'heure est passée très vite. On a pris un petit peu de retard. Bon appétit les enfants. Oui, on dirait un monstre. Viens, viens, je te mets sur la chaise. Dani Naya. Tiens. Il y a la viande qui arrive, ok. Attention, je vais mettre dans mon assiette et je vais te donner mon truc. Il va aimer ça. De quoi chérie? Quand il sera gros, ça veut dire qu'il va aimer ça. Ouais. Ça c'est quoi? Dis-moi. Ça y est, la viande est arrivée. On a les petits oignons ici, la petite salade, les petites pommes dauphines. Sohan qui mange que la salade, mais il aime trop ça. Tiens mon amour. Du coup, bon app.
Bon, ça y est, Swan est montée à la sieste. On a mangé, Swan il a pris une petite douche. Les enfants sont retournés à l'école. Moi j'en ai profité, il fait super beau, j'ai tout ouvert. Du coup j'ai profité pour passer un coup d'aspirateur laveur dans toute la maison. Ça a séché en 5 secondes. Et comme ça tous les sols en fait sont propres. Et je voyais des petites taches dans la cuisine, donc je suis super contente, là c'est genre vraiment nickel. Là maintenant ce que je vais faire c'est mon petit gâteau. Donc je vais le faire au Thermomix, c'est très très simple. Après vous pouvez vraiment le faire sans Thermomix, c'est juste on va dire une facilité pour moi. La recette je vous l'aurais mis juste avant. Et en soi, si jamais vous avez le Thermomix et que vous avez Cookie Doux, c'est le gâteau Emily. Voilà, franchement c'est un gâteau qui est très très bon. Et je pense que ce qui fait la différence, du moins moi ce que j'aime tant, c'est parce que on met du beurre demi-sel. Et je trouve que ça fait vraiment la différence. Après pour ce qui est de la recette, si vous allez sur Cookie Doux, on a le choix entre des amandes, comment on appelle ça, de la poudre d'amande, ou alors de la noix de coco râpée. Moi j'ai jamais testé avec la noix de coco râpée, j'ai testé uniquement avec la poudre d'amande et j'aime trop. Et si jamais aussi, de toute façon moi je vous aurais marqué la bonne recette, mais sur Cookie Doux on a 4 œufs, moi j'en prends uniquement 3 parce que je trouve que c'est suffisant et qu'il n'y a pas nécessité d'en rajouter un autre. Pour ce qui est du sucre également, sur la recette il y en a énormément plus, moi j'en mets moins. Donc là je m'y mets, après je vais mettre le gâteau au four, je vais déjà préchauffer le four en attendant. Et comme ça j'ai mon après-midi tranquille. Alors mon après-midi là je vais faire ma miniature pour ma dernière vidéo. Et après je vais me poser et je vais chiller sur mon canapé. Bon, je passe à la préparation du repas pendant que Sohan est à la sieste. Comme ça, j'avais le reste de l'après-midi pour me reposer. Alors ce gâteau, franchement, rien de plus simple. Il suffit de mettre tous les ingrédients que je vous ai mis, de mélanger et d'enfourner. C'est vraiment un gâteau inratable, genre vraiment. Au-delà de ça, j'ai remarqué qu'il plaisait autant aux petits qu'aux grands. Donc c'est un petit peu le gâteau, on va dire, que je fais assez souvent, étant donné la facilité. Et puis voilà, c'est pratique, ça plaît à tout le monde. Là, il va falloir que j'aille réveiller Sohan. Il fait dodo dans son petit lit de grand. Il est 16h20. Je dois sortir dans 3 minutes pour aller récupérer les filles à l'école. D'ailleurs, je suis en train de boire mon café. En même temps, je tourne dans toute la maison. Je range ce qui traîne, etc. Mais en soi, là, ça y est, il est temps pour nous de sortir. Je récupère les filles et on va directement chez ma cousine. On va prendre un goûter là-bas et après, on va sortir un petit peu, je pense, avec les enfants. Il fait vachement beau, donc autant en profiter. Et le mardi soir, j'aime bien prévoir des petits trucs parce que bah, mercredi, il n'y a pas école. Et donc je me dis que c'est le jour où vraiment on peut profiter un petit peu plus tard à l'extérieur ou quoi. Hop là. Alors attendez, est-ce que j'ai pris mes lunettes de soleil? C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et les lunettes de soleil j'aime tellement tellement tellement. C'est possible que ce soit dans mon sac. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'on s'apprête à sortir, je vais prendre Sohan et on y va. Bon les filles, ça y est, on est arrivé, je suis trop contente parce qu'en fait il y avait de la place un peu partout et je vous jure je me suis dit qu'il fallait que je fasse un créneau et serré et j'ai réussi. Vraiment je suis trop contente. En fait il suffit d'oser parce que le truc c'est que c'est pas que je savais pas faire, c'est que je le faisais pas. Et là je me suis dit non mais de toute façon faut que je le fasse et tout, parce que ça me limite dans mes déplacements. Genre il y a parfois des choses que je dois faire sur Paris et je préfère pas, ou vraiment j'y vais avec Ali et tout. Même si bon dernièrement j'ai quand même été toute seule et ça va, je m'en suis sortie alhamdoulilah. Et bah là je suis trop contente, maintenant je vais faire que ça. Dès que je vais voir des créneaux à faire, même s'il y a d'autres places qui auraient été possiblement plus simples, je ferai mes créneaux. Franchement, Naya, ça va? Est-ce que j'ai pris du temps? Non. Non, c'était vite fait. La dernière fois, c'est là-bas. Oui, la dernière fois, je l'avais fait en face, le créneau, mais il était plus grand. Là, il était un peu plus serré. Donc, bref, là, les filles, ça y est. Ah, mes cheveux, Naya. On va y aller. J'ai récupéré les enfants à l'école. Je suis arrivée vraiment pile à l'heure parce qu'en fait Sohan il dormait tellement bien que je l'ai réveillé à la dernière minute. Et d'ailleurs, il a dû manger sa banane. Mais il n'est plus dans son siège. T'es plus dans son siège. Ouais, Naya l'a retiré là hein, quand on a arrêté la voiture. Vous inquiétez pas. Donc bref, écoutez, ça y est, on y va. Aïe, oh, je vais pas prendre la poussette. Bah non, je le prends avec moi. Mais non, mais j'ai trop de trucs. Bon. On a été au parc avec bébé Sohan. Il a mis une petite casquette. C'est celle de son cousin. C'est celle de son cousin. Ma cousine lui a donné parce que son cousin ne peut plus le mettre. C'est devenu trop petit. Autrement, Sohan, il est tombé. Il s'est fait un petit bobo ici. Et là, on attend qu'il redescende parce que ma cousine, elle est partie chercher la poussette pour son fils. On va balader un petit peu. On va faire un petit tour à Céa et à Claire pour les filles. Tu n'aimes pas la casquette. Sohan, il n'est pas habitué en fait à porter des casquettes. Et mon amour. Mais du coup le parc là c'était pas top pour Sohan parce qu'en fait il y avait des balançoires.
Et du coup, Sohan, il n'arrêtait pas de vouloir passer ou derrière ou devant. Oh mon amour. Et donc, ouais, ça venait vite dangereux. Mimi, il y a le soleil, mon chat. Tu veux pas mettre la casquette? En attendant, on va faire comme ça. Hein, mon doudou? Alors là, je vous explique, il est 19h30 et je me suis dit... Oui, mon cœur. Ça y est, j'ai pas démarré, en fait. C'est bon? Je me suis dit qu'on allait... Enfin, que j'allais amener les enfants manger. Là, ça y est, ma cousine, elle est rentrée. Et du coup, les enfants, ils voulaient aller au Quick. Donc, ils vont manger Quick ce soir. Et puis, on va rentrer, ça va être la douche. Et le dodo, hein? Tu manges, j'espère, en tout cas, même pour Monsieur Sohan. Mais il m'a l'air KO. Mon amour, il était tout calme. Il était tout calme. Genre, on l'entendait pas. Tu fais coucou, mon ange? Je fais coucou? Bye bye. Voilà, c'est lui dont je parle. Il était tout calme, tout gentil. Il est super gêné. Il était tout calme, tout gentil et tout. Donc je me suis dit, pourvu que ça dure. Du coup là, écoutez, on va aller manger. Moi perso, j'ai pas très faim. Après, je sais pas si Quick ils font des salades. Mais pourquoi Quick et pas McDo? C'est tout simplement parce que Quick, la viande est halal. Et du coup, ça fait plus de choix. Même dans les menus enfants, en fait, ils peuvent prendre des petits nuggets et tout. Bah ouais, voilà, c'est plus simple. Donc écoutez, on va manger et on se retrouve. Bon appétit. C'est déjà bien. Ouais. Bon appétit, mon amour. Bon, on a bien mangé. Vous avez bien mangé, les filles? Oui. On s'est posé sur la terrasse. Je trouvais que c'était quand même plus agréable qu'à l'intérieur. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde, genre très très peu de monde. Et d'ailleurs, il y a une dame très gentille qui est venue me voir, qui m'a dit que les enfants étaient trop mignons, qu'ils étaient tout sages. J'étais là, oh, c'est gentil, machallah. Donc, là. En fait, de base, je voulais rentrer directement à la maison. Mais en fait, on n'a plus de yaourt. Du coup, écoutez, il y a un Carrefour qui est pas très loin. Donc, je vais passer à Carrefour. Je vais prendre des yaourts. Et après, je vais rentrer à la maison. En vrai, il manque d'autres choses. Mais faire les grosses courses là tout de suite. Il est 20h15, flemme. Franchement, flemme de ouf. Donc là, on va prendre ce qu'il faut. Ouais, c'est à 7 minutes, quoi. C'est rapide. Et après, on rentrera directement. Donc, écoutez... On y va, les enfants ils seront pas couchés à la même heure. Je pense qu'on sera rentré un peu avant 21h, là, le temps d'y aller, de marcher dans le Carrefour, de payer, de ressortir. Surtout qu'à la fermeture, parfois on a un peu de queue, bah, parce que le magasin ferme tout simplement, donc toutes les dernières personnes. Du coup, comme d'hab, je suis passée dans le rayon bébé. Regardez, j'ai trouvé ça super mignon. Donc ça c'est en gaz de coton, je le prends pas ici parce que je pense sincèrement le retrouver sur Shein. Autrement, il y a des petits polos comme ça pour les garçons à 4,99€, je trouve ça super mignon. J'ai eu le coup de cœur sur deux couleurs qu'il n'y a pas ici, en fait, il n'y a pas la taille. Donc j'ai pris uniquement celui-là. Mais il y a pas mal de petites choses. Ils ont mis aussi, vous savez, bah, tout ce qui est maillot de bain. Donc on en a des comme ça, avec ça, pour mettre sur la tête. Après, celle-là, c'est pas trop mon truc. Mais franchement, c'est super sympa. Là, je cherche des barboteuses pour Sohan. Genre comme ça, mais un peu plus soft. Pour qu'il puisse sortir avec. J'en ai pas trouvé tout à l'heure à CA. Mais là, je vais regarder ce qu'il y a. Bonjour, monsieur. On a mis la veste. Ah, il y a ça qui est super chou aussi, j'aime bien. Alors, en 18, en 23 plutôt. Ok, bah c'est juste un t-shirt blanc classique avec un petit short. Et donc, c'est à 6,99€. Je trouve les prix vraiment... Ouais, il est mignon, tu vois. Je trouve les prix vraiment bien à Carrefour. Hein. Franchement, il y a beaucoup de choses super sympas. Ah, ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que Swan il est plus grand. Je sais pas s'il y aura sa taille. Là il y a du 12. Il y a du 12 les filles. Mais Swan là je vais prendre du 18. Ouais mais c'est mort. Ouais. Bon bah je vais voir si je trouve d'autres petits shorts et tout. Assez sympa. Mais qu'est-ce qu'il fait poussin? C'est mignon aussi ça. Bon, ça y est, on a fini de faire les courses. Il est déjà 21h. Franchement c'est passé genre vraiment trop vite. Après franchement j'avoue on a eu un peu de queue donc ça c'était un petit peu chiant. Là ça y est, il est enfin temps pour nous de rentrer à la maison. Donc c'est ce qu'on va faire tranquillement, on n'est pas très très loin. Oh non, ça qui tombe. J'avais pas prévu de faire plus de courses que ça en fait. Parce que finalement j'ai pris des bricoles et du coup bah, j'ai plus de place. Mon sac il déborde, derrière il y a pas mal de choses aussi. Mais je vais vous montrer, de toute façon je vous fais un petit retour de course dès que je rentre. Et après go coucher tous les enfants. Voilà, enfin la petite douche, il a fait chaud, tout le monde a transpiré. La petite douche, je pense qu'elle peut que faire du bien à tout le monde. Et après, franchement, au dodo. Il est 21h30, on vient de rentrer à la maison. Je vous fais le petit retour de course et après, je vais coucher les enfants. Alors déjà, je vous avais dit que j'étais passée à CA. À CA, j'ai pris ce petit short pour Sohan. Donc c'est un petit short marron, tout simple. Et j'ai pris également à Sohan. Alors attendez, CA, c'est ça.
Merci, mon pote. Vas-y, tu peux. Merci bébé. J'ai pris ce t-shirt à Soan. Alors en fait, il y a une petite banane ici en relief et Soan, il mange des bananes H24. Et donc ça m'a fait tellement tellement penser à lui. Alors à Carrefour, alors attendez, pour ce qui est des prix, à CA, le short il était à 5,99€ et le t-shirt il était à 6,99€. Ok. Maintenant pour Carrefour, ici on a deux shorts. Pour 5,99€, j'aime trop les prix de Carrefour. Donc on a un short de cette couleur, donc c'est un vert, vert pomme. Je trouve ça trop mignon, c'est pas une couleur qu'on mettrait souvent je trouve. Et il y a un vert kaki, donc c'est deux petits shorts normaux pour l'été. J'ai pris un petit ensemble très basique, un t-shirt blanc avec une petite poche, avec le petit short, donc ça c'est un rose rouge framboise, je trouve ça super beau et ça change. Donc ça c'était 6,99€. Et j'ai pris un polo pour Soane à 4,99€, donc c'est un petit polo vert comme ça, assez basique également. Par contre celui-ci, il y avait des couleurs qui étaient trop belles, genre du orange et un rose rouge framboise, mais il n'y a pas sa taille. Donc bref, voilà. En alimentation, j'ai pris des gâteaux pour les enfants. En fait, on reprend un petit peu tout le temps les mêmes choses parce qu'elles aiment les mêmes choses. Donc j'ai pris deux paquets, j'ai pris des petites tartelettes comme ça à la fraise. On a pris des cônes à la vanille, on a pris des champignons, j'ai pris deux petits paquets de bananes comme ça, j'ai pris de la mozzarella, donc c'est un format où on retrouve trois fromages individuels. Cela ne l'embête pas mon chaton. J'ai pris une pizza au thon, donc toujours de la marque Dr. Hucker. On a repris un livre, donc à Carrefour c'est des livres à 1€ et celui-ci il l'avait pas, donc c'est Ami pour la vie. Et je sais pas, j'ai trouvé ça choupinou. Du coup voilà, on est en train de compléter au fur et à mesure notre collection. Après on lit vraiment beaucoup à la maison, si les livres ils sont au salon c'est pas pour rien aussi. Ça reste accessible genre vraiment toute la journée. Et on a pris des petits fromages frais aromatisés aux fruits. De base j'étais partie uniquement pour ça, mais bon on connaît. Donc là écoutez, je vais ranger tout ça et je vais aller... laver les enfants, laver Soane, les filles ça va être grande, elles vont se laver toutes seules. Je vais laver Soane et au dodo. Je me retrouve le lendemain, il est déjà quasiment 11h. Il est 11h, j'ai pris mon café. Là je commence la journée juste en rangeant un petit peu. On va commencer par le lit, faire un petit coup d'aspi, ranger les choses du petit déjeuner. Là je suis seule avec les enfants parce qu'elle est au sport. Du coup j'attends qu'ils rentrent et après on s'est dit qu'on allait sortir pique-niquer. Alors on avait déjà fait ce petit plan il y a quelques jours, finalement on l'a repoussé à aujourd'hui. On aimerait aller pique-niquer au port aux cerises. C'est à Draveil, je sais même pas si c'est 91 ou 94, je sais pas. En tout cas, on aimerait bien aller là-bas. Et en fait, on a un petit parc. Je sais pas si c'est un parc d'attractions. Enfin, il y a des attractions. Et en fait, j'avais déjà des tickets que j'avais pas utilisés de l'année dernière. Et donc là, on va les utiliser. Il fait beau, donc on va en profiter. Par contre, je pense qu'il y aurait possiblement beaucoup de monde, étant donné que bah, c'est mercredi, qu'il fait plein soleil et tout. Ali ne bosse pas aujourd'hui, donc ça c'est plutôt chouette. Comme ça, on va pouvoir faire plein de choses. En fait, je sais aussi qu'on termine la journée chez mon petit frère avec mes parents, puisque la famille s'agrandit. Ils nous ont ramené un petit chaton, mais tellement, tellement mignon. Impossible de pas aller le voir, genre vraiment impossible. Depuis qu'il est là, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, mais on n'a pas pu y aller avant. Donc on va aller voir le nouveau bébé. Je suis trop contente et bien évidemment, je vais vous le présenter parce que bah, il fait partie de la famille, voilà. Donc écoutez, je fais mon petit ménage et on se retrouve dès que possible. Bon, là je me suis préparée, j'ai refait mon liner comme ça, j'aime trop. Après j'ai rajouté pour changer un petit peu du crayon couleur chair dans la muqueuse et j'ai mis un tout petit peu de vert en dessous, juste là en fait. Je voulais pas en mettre trop et j'avais envie de rajouter un peu de peps, un peu de couleur. En tout cas j'aime beaucoup et pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est toujours le nude de chez L'Oréal. En fait depuis que je l'ai reçu, il faut savoir que c'est celui que je mets absolument tous les jours. Je suis en train de regarder mon parasol dans la terrasse, que je vous disais qu'il y avait des petits nids de guêpes qui se sont faits à deux reprises. Là vous m'avez conseillé de mettre de la lavande parce que bon c'était naturel et que les guêpes, enfin les abeilles n'aimaient pas l'odeur de la lavande. Là j'ai pas l'impression qu'il y en a, ça fait genre 2-3 jours que j'en ai plus revu, mais tout de même je vais mettre, j'ai un spray en plus à la lavande donc je vais en mettre. Autrement ça y est les filles, il était temps pour moi de retirer mes petits ongles. Ça les a pas du tout abîmés en fait parce que bah c'est pas une colle de ouf ou quoi, enfin c'est Primark et franchement j'aime trop pouvoir me dire que quand j'ai envie de les mettre, je les mets et quand il faut les retirer, je les retire. Bref, là il est temps pour moi d'aller préparer Soane. Je vais lui mettre de la couleur parce qu'il fait trop beau. Soane, on se change mon cœur.
Il est en train de jouer à la voiture. Donc là, voilà, je fais en sorte qu'on soit tous prêts. Comme ça, quand Ali va rentrer, on va partir directement. Il est déjà 12h30. Ah, regardez, mon bébé, il range. C'est bien, mon chaton. Bravo, mon amour. C'est très bien, mon doudou. Ça, c'est sa signature. Waouh, mon bébé. C'est super, mon amour. Maman, elle est très contente, mon chaton, que tu ranges. Bah oui, c'est un grand garçon, ça. Oh lolo. Bravo, mon cœur. Bravo, regardez comme il est content. Bon, là, on passe à Aldi vite fait. Je prends des sandwichs, des chips et des petites boissons pour aller pique-niquer. Là, on s'est arrêté sur la route, hein, Aldi, que je connaissais pas du tout. En fait, j'ai pas de jetons, donc j'ai pas de caddie. J'avoue, Inaï, regarde les caddies comme là-bas. Tu penses qu'on peut en prendre un? Parce que je vous jure que ça me complique le truc là. Attends, parce que t'as mon téléphone. Ouais, donc là, écoutez, bah, vas-y, on va prendre le caddie parce qu'on pourra pas prendre le jeu et tout. Ali, il est juste devant. Je lui ai dit, j'y vais vite fait avec Inaya. Donc écoutez, on prend ce qu'il faut et on va pique-niquer. Je commence à avoir faim, il est 13h passé. On est arrivé au port aux cerises. On est passé à Aldi, comme je vous disais, j'ai pris quelques trucs. Par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choix, je trouve. Mais j'ai quand même réussi à trouver des sandwichs au thon, au saumon. J'ai pris des chips, des pains au chocolat, des Babybel et des petits jus. Donc là, on va essayer de trouver, vous savez, les tables en bois pour manger, enfin pour déjeuner dessus. Et après, on va attendre un petit peu, on va laisser digérer et on ira faire les manèges. Parce qu'en fait, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est le royaume des enfants. Et en gros, il y a un système de petits tickets qu'on achète, ça s'appelle des petits zozos. Et on échange ça contre les tours de manège. Et donc, comme je vous disais, de base, il m'en restait. Donc je me suis dit que c'était bien de les utiliser, il fait beau et tout, j'ai trop attendu. Parce qu'en fait on aurait pu aller depuis, mais j'attendais vraiment qu'il fasse beau. Mais le parc Port aux Cerises, c'est trop bien. Il y a également un espace baignade. Ouais, je crois qu'on va faire ça en plus à l'ombre et tout. Il y a également un espace baignade. Ça c'est quand même fait vraiment beau. Là on a tout ce qui est accrobranche. Franchement c'est super sympa, il y a plein de choses. Ouais, franchement ouais. Peut-être pas avec Sohan, je pense qu'il est trop petit. Mais ouais. Hey, mais on peut monter directement là? Ouais, c'est du fromage. Ah, il y a une pipe comme ça. Exactement. Ouais. Il y a des chips, prenez ce que vous voulez. Ça y est, on a fini de manger, on s'est posé bien une heure pour que les enfants jouent, etc. Et là, on s'en va au niveau du royaume des enfants, comme ça, ils vont pouvoir faire leur manège. Et l'heure de rien, le temps passe, il est déjà 15h. Alors les filles, je vous raconte parce que j'ai trouvé ça trop mignon. En fait, il y a quelques jours, je disais à Ali que j'étais un peu deg parce que j'avais pas énormément de photos avec les enfants et tout, puisque on me prend pas en photo en fait, tout simplement. Et moi, je peux lui faire 10 albums hein, avec toutes les photos que je prends quand il est avec les petits. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que là, je partais, je donnais la main à Sohan, je suis partie jeter des trucs à la poubelle, c'est rien de fou en fait. Mais c'est juste que il m'a pris en photo, il me l'a envoyé, j'ai trouvé ça tellement mignon. Donc voilà, j'espère que à l'avenir je ferai un peu plus de photos parce que c'est des souvenirs qui restent. Et en vrai je pense que si je vloguais pas, j'aurais peu de souvenirs en physique, genre en vidéo ou en photo, étant donné que bah je vois là quoi. Je crois que c'est au bout de 6 là ton âge. Non, je crois que c'est 5. Lénée, c'est 1, 2, 3, 4. Lénée, c'est bon, on a 5. Ah, bravo, après, Lénée, on a 5. On a 5. Mais si tu veux, pêche ça encore. Ouais, pêche ça. Lénée, elle. Maman, regarde, Lénée, elle a la taille. Elle a la taille, Lénée. Tu les regardes? Bah alors mon amour, il y a Inaya qui arrive, regarde. Inaya, coucou.
Il y a Laïna. Regarde son sourire, elle est trop contente. Laïna. Appuie plus fort, appuie plus fort. Appuie avec ton pied. Appuie avec ton pied plus fort. Laïna, t'as bronzé, Mimi. Toi aussi, je crois qu'on a... Moi, j'ai trop aimé, par contre, les voitures. Ouais. Non, non, mon truc préféré, c'était les... Non, oui, le train, là, qui va super vite. Quoi, ton truc préféré? Voiture. Et c'était quoi, ton truc que t'avais pas aimé? Non, elle a tout aimé. Non, le train, elle a pas aimé. Ah oui, j'avoue, elle a pleuré. Donc là, on se pose pour prendre un petit goûter. Ali est partie prendre des churros pour Inaya. Et en fait, je vous explique qu'on est parti dans un des manèges et on a eu trop de la chance parce que le monsieur, il a compté que Inaya. Il y avait Laïna avec, mais on m'a dit non, mais on va prendre que la grande. Et du coup, bah, ça nous a fait économiser un manège, donc elles en ont fait un en plus. C'était vraiment super sympa. On est resté un peu plus d'une heure. Ouais, là du coup, on prend le goûter et on s'en va, ça y est. On va aller faire un tour, je pense, à Créteil Soleil. Et après, ouais, je vous ramènerai de toute façon avec moi. C'est parti. Bon appétit. Bon appétit. Swan, Ali, Swan, il va prendre churros ou quelque chose? Ta maman, Mimi? Alors, de base, le programme, c'était d'aller à Créteil et d'aller chez mon petit frère. Mais vous allez voir par la suite qu'ils ont eu un gros imprévu. Et donc, on a décidé de faire un petit tour sur Paris. Il faisait super beau. Et d'aller chez ma mère. Parce que de base, en fait, ma mère devait nous rejoindre chez mon frère ce soir avec le repas. Et étant donné qu'elle avait préparé le repas, on s'est dit qu'on allait quand même dîner ensemble, mais chez ma maman. Et c'est donc ce qu'on va faire pour le reste de cette journée. Bon, là je vous retrouve, en fait je vous explique que le programme a totalement changé. On va pas pouvoir aller chez mon petit frère aujourd'hui, il y a eu un très très gros imprévu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez ma mère, parce que ma mère elle était censée nous rejoindre. Et du coup elle a déjà fait à manger et tout. Par contre, je me retrouve avec Sohan qui a fait pipi sur lui. J'ai dû enlever tous ses vêtements parce que je crois que la couche a dû bouger. Et donc, on est passé vite fait à Ziman. Franchement, j'ai pris des pépites. Là, je l'ai changé. J'ai dû directement l'habiller. Je lui ai pris un t-shirt avec un short. Je trouve ça trop mignon, mais je vous montrerai en détail. Et j'ai eu un coup de cœur sur une robe à Ziman. Je vais vous montrer. Oui, bref, on va chez ma mère et je vous fais un petit haul dès qu'on arrive. Bon, là du coup on va dîner, on a du poulet tandoori, du riz, des épinards et ça c'est des lentilles qu'on appelle nous des dalles. Et donc je vous ai pas oublié pour le petit haul, je vous le fais dès que je rentre à la maison finalement, ce sera plus simple pour moi. Mais bref, il est temps pour nous de manger. Bon appétit les filles. Alors la journée a été tellement belle qu'on ne voulait pas qu'elle s'arrête. Et du coup pour faire durer un petit peu encore cette journée, on a décidé de voir la tour Eiffel avant de rentrer à la maison. Et en fait les enfants, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais ça les émerveille. Je crois que nous on s'est un petit peu trop habitués à la voir, mais les enfants étaient ravis. Bon, on est rentré un peu tard, j'ai même pas envie de vous dire quelle heure est-ce qu'il est. Sohan s'est endormi dans la voiture et les enfants là sont tous au dodo. Je me suis dit que j'allais vous faire mon petit haul de chez Ziman en fait. Alors on a pris des t-shirts comme ça, basiques pour Ali. Celui-là c'est un col rond. Et celui-ci normalement ouais, c'est un col V. Donc voilà, il coûtait 4,99€, c'est vraiment pas cher. On a pris pour Laïna Rose cette petite robe. Je l'ai vraiment trouvée très très jolie. Il y a des petits boutons ici et j'aime beaucoup comment ça fait en fait au niveau des épaules. Elle arrive un peu en dessous des genoux. Après j'ai fait exprès de prendre une taille un petit peu plus grande, mais elle sera plus confortable si elle est un peu plus longue. Et on a des jolies petites fleurs, franchement Ziman. J'aime beaucoup pour les vêtements. Je trouve que c'est top, c'est pas cher et que franchement, c'est qualitatif. On a pris pour Sohan Ali ce petit short de bain. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop mignon. Et j'imaginais Sohan avec son petit corps tout poncé, ses petites cuisses et tout dedans. Et je l'ai trouvé trop bien, il y a trop de couleurs, j'aime trop. Et ça, c'était 4,99€. Enfin, vraiment, c'est donné, je trouve. Ensuite, on a pris ce petit body. Alors, je l'ai trouvé super chou. Vous savez, c'est côtelé, c'est en beige et c'est en débardeur. Et donc, celui-ci, il a coûté 3,29€. On a pris également pour Sohan ce t-shirt. Alors, en fait, il y a une fuite au niveau de ses vêtements. Donc, il a fallu tout changer. Du coup, il avait mis ça, mais après, chez ma mère, je lui ai mis autre chose. Donc, c'est un petit t-shirt, je crois, qui coûtait 4,99€.
Il est écrit Aloha, tout simplement, dessus. Et je l'ai trouvé super chou. Et il y a un short, mais il le porte, c'est un petit short marinière. Pour moi, j'ai pris cette robe. Je sais pas, je l'ai trouvée très jolie. Alors, elle est violette avec des petites fleurs blanches. Et elle arrive aux genoux. J'ai juste un peu peur pour le haut, puis je mettrai une épingle. Mais de toute façon, je vous la montrerai portée parce que là, la robe, elle veut rien dire. Franchement, elle veut vraiment rien dire. Mais je vous assure que elle est super jolie. Voilà. Et pour la robe, elle coûtait 12 euros, je crois. Ouais, 12,99€. Ce que je trouve hyper raisonnable pour ce qui est des vêtements. Autrement, je suis vraiment désolée. Du coup, j'ai pas pu vous montrer le nouvel arrivé dans la famille. Il y a eu un imprévu, genre vraiment. C'était pas possible de faire autrement pour mon petit frère et sa femme. Et donc, on n'a pas pu voir le bébé chat. Si jamais, je vous présenterai très prochainement. Alors, il s'appelle Ladou. Pour la communauté des Sives, Ladou, en fait, vous devez connaître. Mais en gros, Ladou, c'est des petits gâteaux ronds, très sucrés. Et à l'île Maurice, au Pakistan, en Inde et tout, c'est des petits gâteaux sucrés qu'on adore manger. Et bref, ils ont décidé de l'appeler comme ça. C'est un petit chaton tout noir avec les yeux verts. Il est trop beau. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous avoir au moins une petite photo. Mais je suis très déçue de ne pas avoir pu le voir. Mais ce n'est que partie remise. En tout cas, écoutez, je vais m'arrêter ici. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, mettez un petit j'aime. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très très vite.